la timidité, pour moi, c'était une faiblesse. Elle a trouvé un moyen, son moyen à elle de dire les choses. Le dessin, ça a toujours été présent. C'est quelque chose qui a évolué avec moi et c'est toujours un point de repère que j'ai. En tant que graphiste, artiste, entre guillemets, bah, on est toujours à la recherche de son style. Qu'est-ce qui pourrait faire que lorsque l'on agit, lorsque l'on dessine ou on s'exprime, on se démarque, on est dans le vrai. Elle est dedans, oui, elle est dans cette recherche-là. J'ai envie d'exprimer quelque chose, un mouvement, une émotion, quoi. Ça peut passer par le dessin, ça peut passer par la danse. Les deux sont vraiment complémentaires et il n'y a pas vraiment de barrière entre les deux, c'est juste des moments. Cette habitude-là d'avoir une personne devant nous qui avait besoin de s'exprimer, besoin de montrer ce qu'elle ressent à l'intérieur. J'avais envie de m'exprimer sur scène, toucher à tous les aspects de la création d'un spectacle. Donc le spectacle vivant, pour moi, c'est la meilleure des plateformes. On a l'impression d'être dans un autre univers. Pourtant, c'est une boîte noire, mais on crée ce qu'on veut à l'intérieur. Il se découvre à travers ces spectacles que elle a beaucoup de choses à dire. Cette opportunité de sortir complètement d'une manière de penser, c'est ce que j'aimerais donner. Que visuellement, que ça soit prenant, que le spectateur soit vraiment emmené dans une traversée. Et si je parle de guérison, de parcours, d'évolution, que le spectateur ressente vraiment tout ça à l'intérieur et qu'il puisse l'interpréter aussi et le prendre pour lui-même d'une belle manière. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de rencontrer des gens qui ont l'expertise et qui sont passionnés par leur métier et qui voient plus loin et qui ont vraiment ce toucher dans l'art qu'ils pratiquent. Et donc, chacune des personnes que j'ai rencontrées m'apporte vraiment quelque chose, que ça soit au niveau de leur manière de travailler, leur manière de penser l'art, leur manière de voir, leur manière de fonctionner, leur manière d'interagir. J'ai appris qu'elle pouvait aller encore au-delà de ce que je pouvais imaginer et rassembler les gens autour d'elle. Une équipe présente, investie, et puis un bon état d'esprit entre eux. Et ça, j'ai trouvé ça super. Voilà. Elle est un peu leaduse. Leader, leaduse. Ces dernières années, et ça continue à évoluer,
j'ai pris davantage confiance en moi et en mes capacités à faire des choses, mais il y a encore quelques endroits où je manque de confiance. Par exemple, ma voix. J'ai l'impression qu'elle porte pas et que c'est bloqué, etc. Donc là, je n'ai pas forcément le remède pour l'instant, mais avec le temps, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux travailler sur ça pour pas que ça soit un défaut et que ça devienne une qualité. Mais la manière n'a pas changé. J'utilise toujours mon cœur pour parler. Enfin, c'est sûr que je m'exprime mieux à travers le corps et la danse. Dans une dualité avec Solène où à la fois elle est dans cette envie dévorante d'éclore sur scène et en même temps de préserver un maximum son intimité. J'ai vraiment besoin de cette intimité-là parce qu'elle me permet de me connecter vraiment avec moi-même et de me connecter avec ce que je veux vraiment être et ce que je veux vraiment faire et être dans les bonnes intentions. On a eu pas mal d'échanges, des discussions artistiques. Aller chercher à l'intérieur de soi, comment l'exprimer. Le vide, c'est très important. Les silences sont importants. On commence à comprendre ça quand on arrête d'être dans l'apparence. C'est quelqu'un de très secret, quelqu'un d'une très grande pudeur, qui du coup se protège beaucoup. C'est sa fragilité à elle, et c'est ce qui fait toute la beauté en fait, et de sa danse, et de ce qu'elle défend. C'est que d'exister à cet endroit-là, c'est déjà extraordinaire. Elle ose, hein. Elle ose. Je connais très très peu de chorégraphes de son âge et encore moins de jeunes danseurs que j'ai rencontrés qui, depuis le début, à l'âge de 16 ans, m'ont dit « je veux être chorégraphe » et qui se sont attelés à ça à l'âge de 18 ans, qui ont commencé ça dans la rue pour finir avec des coproductions. Donc c'est que ça marche. Elle n'a pas eu besoin des réseaux sociaux, de buzz, elle va continuer à nous surprendre. C'est vrai qu'avec les réseaux, c'est très difficile d'avoir son espace privé. Il y a cette peur que ça lui échappe. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai eu du mal. Je pense que son dilemme, c'est bien qu'elle se le pose parce qu'il y a des manières d'utiliser ces outils-là. On montre tout le temps à tout le monde, ça devient un petit peu noyé dans la masse. J'ai vite arrêté de poster des photos, vidéos, même de la danse, etc. Ça a été un moyen d'en faire un propos artistique et de nourrir sa création. J'ai vraiment essayé de recréer un cadre autour de moi parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas accordées. Et donc voilà, c'était bon, je l'ai pas fait par moi-même, hein. C'est la vie qui m'a amené directement à l'endroit. Mais vu que j'ai quitté beaucoup de choses et qu'en plus je quittais les réseaux, bah je me sentais un peu transparente. Tu te retrouves juste avec toi-même. Tu dois te reposer toutes les questions de dire ok, quel message j'ai vraiment en tête et sur quoi je suis en train de travailler moi. Il y a une transition qui est un peu difficile quand tu quittes. Tu quittes un endroit en fait et t'entends plus le bruit de ce qui se passe dans la pièce que t'as quittée, donc tu te sens un peu à part quoi. Mais moi c'était une période donc, qui était, je pense que c'était obligatoire dans ma vie et que c'était nécessaire et que ça m'a permis de mieux comprendre comment est-ce que j'avais envie d'interagir avec les autres. C'est une des faiblesses et des peurs que j'ai un peu surmontées.
ne pas avoir peur d'aller vers l'autre, mais dans la vraie vie. La voir danser vraiment, je l'ai vue danser seulement quand elle avait 14 ans. La danse est arrivée dans ma vie. Ça a toujours été présent d'une certaine manière. D'abord avec mon cousin qui est déjà danseur. Pendant les fêtes de famille, je le voyais beaucoup danser. Elle n'osait pas trop danser devant moi ou même devant la famille. J'étais à la base quelqu'un de très timide. Je ne dansais pas, mais j'étais beaucoup dans l'observation. Il y a une phrase dans l'hip-hop, c'est « each one teach one ». Chacun apprend à chacun. C'est seulement après, quand j'ai grandi, que je me suis affirmée dans ce que je faisais, que j'ai commencé à parler de ça avec lui et qu'on a commencé à avoir quelques entraînements ensemble. J'ai vu qu'elle était vraiment passionnée. La danse, c'est toujours quelque chose de générationnel. Et il y a, on va dire, il y a des mouvements. C'est-à-dire qu'il y a une certaine manière de danser qui est influencée par certains danseurs. Donc on va prendre certaines directions ou autres. Mais elle, j'ai senti que pas du tout. Elle a un but et elle va faire en sorte de l'atteindre. Elle sait ce qu'elle veut. Aujourd'hui, tout est métissé, tout est mélangé. Donc on rencontre beaucoup de choses. Et donc, c'est aussi pour ça que moi, je me suis retrouvée dans cette danse-là et dans cette culture. C'est le hip-hop qui me nourrit. Et tu vois que dans le hip-hop, il y a tellement de courants différents. Tu as vraiment la liberté de t'exprimer. Ça l'a fait énormément évoluer. Ça l'a fait se connaître elle-même. Elle a commencé la danse au lycée Turgot, parce qu'il y avait une spécialité danse. Et ça ne s'est jamais arrêté. Ça s'est toujours amplifié et ça a pris une part énorme dans sa vie. J'en étais sûre dès le début que ça allait fonctionner. Je savais que c'était OK. En vrai, tout le monde n'a pas une passion dans la vie. Tout le monde ne se lève pas le matin en se disant « Waouh, je fais un truc que j'adore. Je vais danser à 6h du matin parce qu'elle est folle. » Elle se levait à 5h du matin pour aller danser. Il y avait une option danse hip-hop. J'étais vraiment très concentrée sur ce qui allait se passer après. Donc, passer des auditions. Enfin, j'en ai passé une et elle a réussi. Ça montre que c'est avant tout quelqu'un de déterminé. Et j'ai pu travailler du coup avec un chorégraphe qui a pu me permettre d'avoir des revenus de la danse. Et en parallèle, en créant ma compagnie, ça a vraiment pris de l'ampleur dans ma vie. J'ai envie de continuer à développer la compagnie, continuer à rencontrer des gens et toujours essayer d'être dans une progression. C'est vraiment une belle personne. Donc j'ai plusieurs prénoms, un prénom Solène, qui est breton, mais je ne sais pas ce que ça a à voir avec mes origines, c'était juste l'envie sur le moment de mes parents. Niki, qui est mon prénom grec de ma grand-mère, et Mwakoso, qui est mon prénom congolais. À chaque fois qu'on le dit ou que c'est marqué quelque part, ça me fait quelque chose en fait. Donc, c'est bien que la compagnie s'appelle comme ça. En 2021, nous sommes allés au Congo, à Brazzaville. Elle a découvert son pays du côté de mon père, donc de son grand-père. Et j'ai fait ce voyage-là quand j'avais 26 ans. Je ne connaissais pas du tout l'Afrique et donc c'était un vrai voyage initiatique qui a été très important pour moi, pour ma construction personnelle. Et c'est vrai que j'avais aussi envie de partager ça avec elle et voir si pour elle ça pouvait lui apporter tout autant. Elle a pu découvrir ses origines, découvrir sa famille dans le village de mon père, où est né mon père. Qui est un village très reculé, Pombo, il s'appelle ce village. Il faut 3 jours pour y aller, on a pris la pirogue, et c'est un village isolé complètement, sans électricité, ni eau potable, donc il n'y a pas de réseau, il n'y a pas tout ça, mais il y a encore des gens qui vivent là-bas, et qui vivent entre guillemets normalement. Et pour moi, c'est un coin de paradis. Et c'est vrai que j'avais envie de partager ça avec elle, son histoire. Son arrière-arrière-grand-père est enterré là-bas.
et c'est le fondateur de ce village-là. Donc je suis assez fière de ça, parce que je me dis que c'est très enrichissant pour une personne. On a rencontré des danseurs, en plus, quand on était à Brazzaville, par hasard. Et il se trouvait qu'ils donnaient un cours, donc on est allé dans le parc, on nous a donné rendez-vous, et on a fait un cours de danse. C'était un cours de danse traditionnelle, et donc c'était très sympa. Mais aussi, elle a eu un lien aussi avec le Centre culturel français à Brazzaville, et donc ça a créé comme ça, de manière très naturelle, des liens. Elle a échangé là-bas, elle a dansé. C'était un besoin qu'elle avait et qu'elle a pu combler. Donc ça fait toujours du bien de comprendre et de savoir d'où on vient. Soit quand tu danses, c'est pour exprimer quelque chose d'autre que qui tu es, ou en tous les cas de ce que tu montres au quotidien, ou soit c'est vraiment qui tu es tous les jours. Et bien Solène, elle, c'est ça. C'est telle qu'elle est tous les jours, sa danse, elle est pareille. Je trouve qu'elle est très concentrée dans sa danse quand elle se met vraiment à danser, dans ce qu'elle veut montrer. On ne peut pas réellement poser des mots sur la danse, en vérité. C'est pour ça qu'on parle beaucoup. Pour moi, en tout cas, ça résonne avec quelque chose de très puissant, parce qu'on est directement en contact avec le corps, avec ce qui se passe dans l'espace, avec l'énergie. Et donc, quand il y a l'intention qui est bien placée dans le mouvement, on arrive à toucher des choses qui sont très puissantes, en fait. Je me suis présentée devant différents publics, que ce soit jeune public, public de différents âges, public de différentes disciplines, public de différents milieux. Généralement, les gens sont touchés à peu près au même endroit. C'est un langage universel. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'il y ait une communion avec le public, qu'il y ait un réel échange, quoi. C'est une artiste pluridisciplinaire. Une personne aimante. Quelqu'un sur qui tu peux compter. Très déterminée dans ce qu'elle veut faire. Qui est à l'écoute de ce qu'elle vit, de ses émotions, et qui essaye de le retranscrire avec ce qu'elle a sous la main. J'aime beaucoup la regarder danser. Une personne qui a beaucoup de style. En fait, elle a un truc, Solène, c'est qu'elle a pas peur. Non, elle est chouette. C'est une chouette nana.